Une icône s'en est allée. Une étoile polaire vient de disparaître des cieux. Une figure emblématique de notre pays, le Mali, vient de tirer sa révérence. En fait, notre mère vient de nous quitter. Cissé Mariam Kaidama Sidibé, ex-première ministre sous feu l'ex-président de la République, le général Amadou Toumani Touré Atété, repose désormais. Hommage à elle. Grand hommage national à elle. Notre rédaction, au nom donc de tout le personnel de Malikounafoni TV, présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique, ses enfants, ses neveux, ses cousins, ses frères et sœurs, ses parents proches. Et à toute la nation malienne qui est endeuillée par cette grande disparition. Une grande perte pour notre nation. Désormais, Cissé Mariam Kaidama Sidibé repose en paix. Qui était donc cette brave dame, cette grande dame de cœur au service de la nation. Nos recherches nous apprennent que Cissé Mariam Kaidama Sidibé venait dans ce bas monde un de ces 4 janvier 1948 à Tombouctou, la ville aux 333 signes, cette ville des grands érudits depuis la nuit des temps. Et c'est à Goundam qu'elle va suivre son cycle scolaire avant de débarquer dans la capitale Bamako où elle va décrocher son baccalauréat cité en 1970. Après l'obtention de son baccalauréat, elle va intégrer l'école nationale d'administration de Bamako, ENA. Très brillante, la jeune étudiante qu'elle était va en sortir avec le diplôme d'administrateur civil. Et voilà que notre regrettée maman Cissé Mariam Kaidama Sidibé à l'époque va entamer une carrière professionnelle. Oui, elle va successivement occuper plusieurs fonctions. En fait, entre 1974 et 1989, elle fut recrutée en qualité de fonctionnaire au ministère de tutelle des sociétés et entreprises d'État. En 1991, feu Cissé Mariam Kaidama Sidibé, surnommée conseillère technique auprès du président Amadou Toumani Touré. D'août 1991 à juin 1992, elle est ministre du Plan et de la Coopération internationale sous la transition. De mai 1992 à juin 1992,
Elle va occuper le poste de ministre de l'Agriculture et de l'Environnement. Entre août 1993 et novembre 2000, Feu Cissé Mariam Kaïdama Sidibé va occuper plusieurs postes, entre autres ministre de l'Environnement de notre pays. Entre août 1993 et novembre 2000, comme nous le disions, avec pour résidence à Ouagadougou, c'est-à-dire au Burkina Faso, elle va gérer le secrétariat exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Oui, la carrière professionnelle, une carrière figurante de Feu Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. En août 2021, après l'élection présidentielle, elle va revenir au palais de Koulouba en qualité de conseillère spéciale du président de la République, le général Amadou Toumani Touré. De mars à juin 2002, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a nommé ministre du Développement Rural. Nous voilà en 2003. Une fois encore, elle fut nommée présidente du conseil d'administration de la Société Nationale des Tabacs et Allumettes du Mali, Sonatam. Oui, le parcours d'une grande dame. Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Le 3 avril 2011, elle fut nommée par le président, le général Amadou Toumani Touré, comme première ministre du gouvernement. L'histoire dont retiendra qu'elle fut la première femme à avoir occupé ce poste stratégique du premier ministre dans l'histoire de notre pays. Oui. Le 5 novembre 2015, elle est nommée ambassadrice de l'autorité du bassin du Niger auprès de la COP21 qui s'était tenue en France, dans la capitale à Paris. Oui, sur les traces de Feu Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. L'on a en mémoire encore fraîchement que c'est elle qui, le 9 avril 2012, va de concert avec le président de l'Assemblée nationale, signer une lettre destinée à la Cour constitutionnelle pour constater la vacance présidentielle qui était survenue la veille. Oui, sur les traces d'une digne dame, une grande dame, au service de sa nation. Mais, qui peut contre le destin? Qui peut contrarier la volonté de Dieu, le maître de l'univers, le clément et le miséricordieux, la source et le donateur du souffle de la vie? Eh oui. Et voilà, quand ce jour du 6 novembre 2021, Dieu le Tout-Puissant, miséricordieux Allah, rappela à lui sa créature bien-aimée, à l'âge de 73 ans, d'ici survenu à Tunis, capitale tunisienne. Oui, qui peut contre la volonté de Allah? On nous dit que toute âme goûtera à la mort et que seul par cette porte nous pourrons atteindre le paradis et la vie éternelle. Adieu donc, maman. Adieu, maman Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Ton existence n'aurait pas été vain, car ton parcours professionnel est si riche, envieux et irréprochable à tout point de vue. Maman, oui, tu resteras un modèle de réussite, d'intégrité, d'excellence, de probité pour des générations et des générations.
Oui, tu aurais été une référence, une icône, un repère pour toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Oui, tu as consacré toute ton existence à servir ta nation, ton pays que tu as tant aimé. Et tes récits ouverts, serviables pour tes semblables. En femme de paix et prix de justice et sensible à la souffrance des plus faibles. Oui. L'histoire retiendra, oui, de toi, toutes ces prouesses, toutes ces responsabilités que tu as assumées avec responsabilité, avec intégrité, avec brio, pour ta nation, ici comme à l'extérieur. Et tu fus la première dame dans l'histoire de notre pays à occuper le poste de première ministre. C'était sous feu le président, le général Amadou Toumani Touré, ATT. Repose donc en paix, dors en paix, dans le royaume céleste, dans la miséricorde et la clémence d'Allah, le Tout-Puissant. Oui, maman, si c'est Mariam Kaïdama Sidibé, tout le peuple malien te pleure, toute l'Afrique te pleure, toute l'humanité te pleure et implore la clémence d'Allah afin que ton âme repose éternellement en paix et que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Amen.